Bonsoir à tous, bonsoir Jonathan, comment vas-tu? Bonsoir Gabriel, ça va super, merci. Et toi? En tout cas, on est super heureux de pouvoir passer cette soirée miracle et guérison avec vous. Vous êtes déjà très 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 nombreux à nous regarder sur Facebook, sur YouTube. On aime aussi lire vos commentaires. Je ne sais pas si tu vois Jonathan avec moi, mais on a des amis de Paris, de Cameroun, aussi des îles. Il y a déjà des personnes qui nous écrivent sur comment demander la prière dans les salles de guérison. On va tout vous expliquer, mais en tout cas, c'est vraiment une joie de pouvoir être avec vous ce soir et on s'attend à ce que Dieu se manifeste d'une manière puissante. Alors, n'hésitez pas à nous écrire d'où vous venez, votre prénom, comme ça on peut faire connaissance de cette manière-là, parce que c'est toujours une joie pour nous de voir nos amis francophones être impactés par ces soirées miracles et guérisons. Si aussi on aimerait souhaiter la bienvenue, si vous avez été invité par un membre de votre famille, un collègue de boulot, un ami, c'est la première fois que vous rejoignez ces lives avec l'IMG. En tout cas, on aimerait vous souhaiter une cordiale bienvenue. On va avoir des temps de prière ensemble. On a un invité, un orateur qui nous vient du Canada, qui a rencontré Dieu. Il était dans la drogue, dans différentes choses qui étaient très compliquées pour lui. À un moment donné, il a eu une visitation radicale de Dieu et sa vie a été complètement changée. On croit que ça va aussi se passer pour toi. Alors, on t'invite à rester connecté parce que dans quelques minutes, on va laisser la place à Samuel Grondin qui va nous partager son témoignage et ce que Dieu a mis sur son cœur. Donc voilà, Jonathan, tu en as des amis de l'île de la Réunion, de Toulouse, de Seine-et-Marne. Soyez tous bénis. En tout cas, bienvenue, bienvenue, bienvenue à tous. C'est vraiment une joie pour nous d'être avec vous ce soir. Jonathan, je te laisse la place. Tu veux partager un peu comment est-ce que nos amis qui sont live ce soir ont la chance de pouvoir recevoir la prière? Oui, tout à fait. Déjà, bonsoir et bienvenue à tous. C'est une telle joie de vous accueillir. On va passer des moments formidables dans la présence de Dieu. Et il y a quelque chose pour vous, on veut le déclarer. Et ce soir, vous avez la possibilité de rejoindre des chambres de guérison. En fait, c'est simplement des personnes qui sont là pour prier pour vous. Il y a des dizaines de personnes, d'équipiers de prière qui sont là pour vous. Et peut-être que vous avez comme vous êtes malade, vous avez des douleurs, vous avez toutes sortes de défis, des défis physiques, etc. Les personnes se tiennent à disposition pour vous. Alors, vous pouvez les rejoindre simplement. Il y a un QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Vous avez aussi un lien qui est en description, si c'est plus simple pour vous. Et peut-être que vous regardez aussi cette vidéo en différé. Vous inquiétez pas, il y a aussi quelque chose pour vous. Il y a une ligne de prière qui est ouverte 7 jours sur 7. Alors, vous pouvez simplement rejoindre, prendre rendez-vous sur cette ligne de prière. Pareil, des équipiers de prière sont là, ils vont prendre du temps avec vous. Et vous pouvez simplement prendre rendez-vous sur la guérison.org. Et même à distance, Dieu agit. À distance, Dieu guérit. Et il n'est pas limité par toutes sortes de circonstances, il n'est pas limité par la géographie, par peut-être le moment même où vous regardez cette vidéo, il n'y a pas de limite. Et la Bible nous dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Amen. La main de l'Éternel n'est Amen. pas trop courte. Et peut-être que ça fait longtemps que vous attendez une guérison, quelque chose qui ne vient pas, et vous avez une percée qui a du mal à venir, et peut-être que vous vivez comme avec quelque chose qui vous pèse au quotidien, mais on veut déclarer que ce soir, quelque chose, il y a quelque chose pour vous, que Dieu veut agir dans votre vie. C'est, on place notre foi en Dieu. Et je vous invite à placer votre foi en celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il n'y a aucune limite à notre Dieu. Et je vous invite simplement à placer votre foi en celui qui n'a aucune limite, en celui qui a la capacité d'intervenir ce soir dans votre vie. Sa parole Waouh! et Dieu va encore confirmer sa parole. Waouh! Merci Jonathan pour cet encouragement puissant. On aimerait t'encourager à écrire dans le chat Dieu est capable. Parce qu'on croit que peu importe la situation dans laquelle tu es, Dieu est capable de pourvoir financièrement, Dieu est capable de te guérir et mort, et plus que capable, il le veut et on croit qu'il va le faire ce soir. J'aimerais, je vois qu'il y a Marie-André qui est là depuis Bordeaux et c'est la première fois. Bienvenue Marie-André, bienvenue à tous. Bonjour, c'est de la Réunion. J'imagine que ça doit être peut-être des amis à Samuel, parce que notre orateur a vécu à La Réunion. Maintenant, il est au Canada. Donc, c'est une joie pour nous de voir nos amis francophones nous rejoindre ce soir des quatre coins du monde. C'est vraiment le cas, parce que je crois qu'il y a les îles Maurice aussi. En tout cas, je vois que vous êtes nombreux à nous écrire. Dieu est capable de me guérir de mon oreille. On va prier pour vous aussi à la fin, aux alentours de 8 heures. On va avoir un temps. On va prier pour tous les différents sujets. Si vous avez des amis qui ont besoin de guérison, on vous invite à simplement copiez le lien sur votre téléphone et alors envoyez sur WhatsApp ou sur Signal ou sur Telegram, peu importe. Mais on a vraiment à cœur que
vos amis, vos familles puissent rencontrer le Dieu qui est bon, un Dieu qui vous aime. Alors, on va prendre un chant de louange. Si vous connaissez ce chant, on vous invite à chanter avec nous. Si c'est la première fois que vous êtes là, c'est la première fois que vous entendez parler de Dieu, on invite simplement à vous inviter à vous asseoir et à écouter ces paroles. Et vous pouvez peut-être simplement faire cette prière en disant « Dieu, je veux m'ouvrir à toi et simplement parle-moi ce soir. » Et on croit que Dieu va le faire. Jonathan, si tu es OK avec ça, je t'inviterai à prier pour ces moments et après, on va prendre un temps avec ce chant. Oui, bien sûr. Oui, Père éternel, nous te remettons vraiment ces temps. Nous croyons que tu es ce Dieu qui ne change pas, qui veut accorder encore ta guérison. Tu veux toucher des vies encore aujourd'hui, encore ce soir. Nous déclarons que nous allons avoir vraiment des témoignages de ce que tu vas faire. Nous libérons, Seigneur, cet amour, cette onction de guérison ce soir. Viens toucher des vies, viens rencontrer des cœurs, Seigneur. Et nous te remettons tous ces moments dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus est ressuscité, ton île est sous mes pieds. Jésus est ressuscité, et le mien.
Ah, quel chant puissant avec ces paroles tellement fortes. Je choisis la vie, Dieu est capable et c'est ce qu'on croit pour ce soir. Jonathan, on aimerait, avec l'ensemble de l'AMG, souhaiter la bienvenue à tous nos amis qui viennent de nous rejoindre. Vous avez fait le bon choix, vous êtes live avec nous pour cette soirée miracle et guérison et on s'attend que ce ne soit pas simplement un logo qui est ici en haut, mais que ce soit vraiment la réalité de ce qui va se passer dans vos vies, des miracles et des guérisons. C'est ce qu'on veut proclamer pour ce soir. On aimerait du coup vous accueillir. Bienvenue. Vous avez fait le bon choix parce que ce soir, on a un invité exceptionnel qui est avec nous. On va avoir des temps de prière. On aimerait aussi vous rappeler qu'on a nos chambres de guérison qui sont en ligne. On a plus de 11 chambres disponibles avec deux équipiers de prière qui sont là pour prier pour vous. C'est un rendez-vous d'une dizaine de minutes. Vous allez être accueillis par nos bénévoles et vous allez pouvoir recevoir la prière. Et après, ce qui est important, c'est de revenir sur YouTube et partager le témoignage de ce que vous avez vécu pendant ces temps. On aimerait aussi vous encourager, si Dieu vous a déjà guéri, simplement laissez-nous un commentaire en me disant, j'ai déjà eu ma guérison, je sens qu'une douleur est partie de mon corps parce qu'on croit que Dieu est en dehors du temps. Il n'attend pas 20 heures qu'on prie ensemble, mais il est déjà en train d'agir maintenant. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de ce que vous vivez déjà maintenant. Mais en tout cas, un grand, grand, grand bienvenue à tous. Et Samuel, je vais te présenter rapidement pendant que tu nous rejoins. Mais Samuel a pris une puissante rencontre avec le Seigneur. Il a vécu une conversion radicale. Il a été touché par l'amour du Père, délivré de l'influence de la drogue et de l'alcool. Et il s'est mis du jour au lendemain à prêcher l'évangile dans la rue et avec ses amis. Par la suite, il va se former auprès d'une équipe de ministère aux îles de la Réunion. Le Seigneur commence à lui ouvrir des portes afin qu'il exerce le ministère, qu'il puisse grandir dans l'appel que Dieu a mis sur sa vie. Samuel exerce un ministère d'évangéliste au sein de la francophonie. Il travaille aussi à l'implantation d'églises locales et son cœur est de conduire un maximum de personnes à connaître Jésus, leur sauveur, et a aussi à faire lever une armée d'évangélistes qui marchent avec des signes et des miracles et qui proclament l'évangile. En tout cas, Samuel, c'est une joie pour nous de t'avoir. J'ai vu qu'on a une grosse communauté qui nous suit depuis La Réunion. Donc aussi, c'était la bienvenue à tous nos amis réunionnais. Et en tout cas, c'est vraiment une joie pour nous de pouvoir t'accueillir. Ce n'est pas la première fois que tu es avec nous. Donc, sens-toi comme à la maison pour cette soirée miracle et guérison. On sait que Dieu a mis un message fort pour toi. Peut-être que tu peux commencer peut-être en deux, trois minutes de partager peut-être ton témoignage et comment est-ce que Yes. Dieu t'a vécu, t'a touché d'une manière radicale. Et je crois que si vous ne connaissez pas Jésus, on aimerait t'encourager à ouvrir ton cœur parce que ce que Dieu a fait dans la vie de Samuel, il veut le faire aussi dans ta vie. Peut-être que ton histoire va être différente de la sienne, mais c'est le même Dieu qui va venir à ta rencontre. Alors Samuel, on te laisse la place, sois le bienvenu et on attend à ce que Dieu se manifeste ce soir. Merci beaucoup, en tout cas, les amis. Ça fait vraiment plaisir d'être là à nouveau avec vous tous. Je prie vraiment pour que l'amour de Dieu te touche là où tu es, alors que tu entends ce témoignage. En fait, très honnêtement, je n'ai pas un témoignage exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, c'est ce que Jésus a encore et encore fait pour quelqu'un qui ne vaut rien, entre guillemets, qui n'a pas de valeur spécifique pour la société. Mais Dieu est venu me chercher là où j'étais, sur une petite île à l'île de la Réunion, et il a transformé ma vie. Donc, oui, très rapidement pour mon histoire, en fait, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc, on est le troisième d'une famille de neuf. Donc, il y a pas mal de mouvements. Il y avait pas mal de mouvements à la maison. Et donc, voilà, j'ai grandi avec des valeurs chrétiennes, avec pas mal de choses, mais je n'avais pas encore fait de rencontre avec Jésus. Et pendant cette période, mes parents étaient touchés. Donc, il y avait des valeurs, des choses qu'on appliquait à la maison, comme lire la Bible, comme prier. Et c'est des choses que je faisais parce que je pensais que c'était important, mais je le faisais de manière mécanique, sans savoir en fait concrètement ce que ça signifiait. Jusqu'au moment où, comme tout le monde, on fait nos études, je suis allé à l'université. Juste avant d'aller à l'université, j'ai commencé à fréquenter des gens qui, on va dire, n'ont pas une vie saine, qui n'ont pas une vie chrétienne, je dirais. Et j'ai commencé à tomber dans l'alcool, dans la drogue.
Et en allant à l'université, j'étais dans une fac de sport. Donc il y avait l'ambiance, il y avait pas mal de choses. Et puis j'étais vraiment, vraiment bien enfoui dans ce style de villa, de drogue, d'alcool, de fête. Et j'allais toujours à l'église le dimanche parce que pour moi, c'était important d'aller à l'église. Mais ma vie pendant la semaine ne reflétait pas du tout le chrétien que je voulais être ou représenter quand j'étais à l'église. Jusqu'au moment où je vais essayer d'être rapide et puis au fur et à mesure, comment le Saint-Esprit va conduire, on va faire les choses comme il se doit. Mais mon épouse actuelle, je l'ai rencontrée justement quand j'étais à l'université et elle était dans une certaine, je dirais, condition assez dramatique, grave. Je parle émotionnellement, je parle par rapport à ce qu'elle a vécu, les expériences qu'elle a vécues malheureusement. Et moi, j'étais là, comme je l'aimais, je disais, mais il faut absolument qu'elle puisse rencontrer Dieu parce que j'entendais des histoires de Dieu. J'étais déjà convaincu que Dieu était capable de faire quelque chose pour elle, mais je n'avais pas réalisé qu'il n'avait pas encore fait pour moi, que j'avais pas encore la foi pour moi-même. Et donc, je me dis, mais il faut absolument qu'elle puisse expérimenter la puissance de Dieu. Je crois que c'est que Jésus qui peut la rendre libre et tout ça et tout ça. Et je l'invitais, mais à un moment donné, elle a fini par accepter à venir à l'église avec nous. Et ce jour-là, c'était un prédicateur qui était là et il a amené l'évangile, il a prêché l'évangile. Et puis à un moment donné, il a donné une parole de connaissance. Et cette parole, il décrivait littéralement la situation de mon épouse. À l'époque, on n'était pas encore mariés. Il décrivait vraiment l'élément le plus sensible pour elle, ce qui la faisait vraiment du mal. Et donc, il le décrit. Puis moi, j'étais là. Moi, ce soir-là, j'étais touché par Dieu. Je n'avais pas compris ce qui m'était arrivé, mais j'étais touché par Dieu. Il y avait quelque chose qui s'était passé pour moi durant cette célébration. Et là, j'entends cette parole et dans mon cœur, je me dis, waouh, elle est venue pour la première fois, c'est sûr, elle va être touchée, c'est sûr, les choses vont vraiment prendre une autre dimension et tout. Pour moi, j'étais convaincu qu'elle vivait la même chose que moi, que j'étais en train de vivre, l'amour de Dieu est en train de me toucher et tout ça. On sort de la célébration et puis je lui pose la question, je dis alors, comment t'as trouvé? Et puis elle me regarde avec un regard vraiment apeuré, elle me dit, mais c'est quoi tout ça, Samuel? Le diable existe? Je fais quoi? Et c'est fou, tu t'attends à ce qu'elle réalise que Dieu est vivant, que Dieu est puissant, l'homme de Dieu a donné une parole, c'est sûr qu'elle va se rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose de surnaturel. Mais elle s'est rendue compte qu'il y a de le surnaturel existait, mais elle a réalisé que le diable existait. Alors moi, j'étais très, 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 comment dire, sur le moment, je ne savais pas trop quoi lui dire. Je dis, je m'attendais pas à ce que tu découvres que le diable existe. Je dis, bon, on rentre chez nous, et puis à l'époque, je dormais avec elle, et puis on n'était pas mariés. Mais ce soir-là, comme j'étais touché par la conviction, je lui ai dit, écoute, je ne vais pas pouvoir dormir avec toi ce soir, je vais rentrer dans ma maison, parce que on était dans des appartements qui étaient sur le même couloir. Et du coup, elle me dit, comment ça, tu vas me laisser seule alors que tu sais que je suis attaquée la nuit? Et puis, elle est attaquée dans ses cauchemars, c'était au travers des cauchemars que tout s'est passé pour elle. Et puis là, tu vas me laisser seule en plus. Je lui dis, mais tu sais quoi, je suis convaincu que je ne peux plus dormir avec toi maintenant. Je veux suivre Jésus, je veux marcher avec lui. Ce n'est pas une vie qu'on doit mener, on doit se marier, on doit faire les choses par étapes. Et puis, elle m'écoutait là. Et puis, à un moment donné, elle me dit, mais comment je peux faire pour ne pas avoir peur seule dans le lit? Puis je lui dis, écoute, je sais pas. Écoute, moi, je pense que tu devrais faire une prière. Puis je lui donne, je savais des versets en tête, mais voilà, je venais juste d'être touché là. J'avais pas la formule exacte, parfaite. Mais je lui dis, voilà, fais cette prière. Fais une prière du cœur à Dieu. Demande ça à Dieu. J'écris sur le papier. Puis je lui dis, maintenant, je vais devoir te laisser. Je vais rentrer chez moi. Et toi, je crois que Dieu va te toucher. Et puis, finalement, elle me laisse partir. J'arrive chez moi. Alors, je vais terminer rapidement excuse-moi, j'ai pris un peu de temps. Le témoignage de manière assez rapide. Je rentre chez moi et puis j'hébergeais deux amis. Il était assez tard. J'entre et puis eux, ils dormaient. Et puis là, je ferme la porte de ma maison, de mon studio, et je tombe sur mes genoux. Et c'est comme si que dans ce moment-là, j'ai ma vie qui défile, se met à se défiler. Mes choix, ce que j'ai fait de mal,
toutes ces choses, toutes mes péchés, toutes ces choses-là qui se mettent à défiler devant mes yeux. Et en fait, c'est fou, mais la seule phrase qui sortit de ma bouche, c'était « Pardon, Jésus. Wow. Pardon, Seigneur, pour tout ce que j'ai fait. » Et au moment où j'ai exprimé cette prière, Jésus apparaît devant moi. Et c'était bien plus que juste mes yeux qui le voyaient. J'ai voyagé dans un autre pays, littéralement. Ce que j'entendais, ce que je voyais, ce que je ressentais, tout était en dehors du naturel. Il apparaît devant moi. Et ses yeux étaient remplis de feu et d'amour. Et en fait, il n'a pas parlé. Mais pendant que je le regardais, en fait, j'ai senti le pardon, mais bien plus que juste le pardon. J'ai senti qu'il ne me jugeait pas. J'ai senti qu'il, dans son regard, j'ai senti que c'était fini, que c'était OK, que j'étais pur, que j'étais justifié. Et en fait, c'est fou, mais pendant que je le regardais, sa puissance m'a touché. Et cette conviction que j'étais pardonné a pris place à ce moment-là. Et la présence de Jésus, du coup, était en face de moi. Et cette présence s'est avancée vers moi et il m'a traversé. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à prier dans de nouvelles langues, des langues que je ne connaissais pas. Je commençais à prier. Et puis là, ça m'a pris, je ne sais pas, 2 heures, 3 heures, je priais en langue, en pleurant, sous la présence, sous la puissance de Dieu. Je suis allé dans mon endroit où il y avait toutes mes drogues. J'ai pris tout. Et je me rappelle, j'étais au 3e étage, j'ai ouvert la fenêtre arrière, ce qui donnait sur un champ, j'ai jeté tout par la fenêtre. Wow. Et j'ai dit, Seigneur, à partir de maintenant, je stoppe toutes ces choses et je veux te suivre, je veux marcher avec toi. Et donc, il était même presque 3 heures du matin au moment où je fais tout ça. Je rentre dans mon lit et le matin, très tôt, ma femme, du coup, elle frappe à ma porte. Et puis, elle vient me voir. Et alors qu'elle entre dans mon studio, il y a quelque chose de différent. Je vois la lumière sur son visage. Puis là, je dis, mais il y a un truc qui s'est passé là. Qu'est-ce qui se passe? Puis elle me dit la même chose. Mais toi aussi, il y a un truc qui s'est passé. C'est fou, tu sais. Et là, elle me dit, écoute, pour faire très court, le diable a attaqué dans ses cauchemars depuis petite. Elle faisait un cauchemar où elle se faisait tuer, où elle se faisait... Et à un moment donné, elle a commencé à avoir... Comme c'était le même cauchemar toutes les nuits pendant des années, la journée était capable de se préparer pour ce qui se passait le soir. Wow. Tout était centré sur ce qui se passait dans ces cauchemars. Et à un moment donné, elle a commencé à se tuer elle-même. Comme elle savait qu'elle allait mourir au bout du compte, elle a commencé à développer ça dans ses cauchemars, de se tuer elle-même. Et c'est ce qui a amené que dans le naturel, elle a commencé à se scarifier et elle a commencé à vouloir se suicider aussi. Elle a fait des tentatives de suicide. Et en fait, dans son cauchemar, elle s'attendait à avoir un cauchemar. Mais cette nuit-là, après des années où tous les soirs, il y a le même cauchemar. Là, cette fois-ci, il n'y a pas un cauchemar. Elle est allongée sur son lit, elle a un sourire sur le visage, et elle voit une main au-dessus d'elle. Et cette main-là, il y a comme une boule lumineuse qui l'entoure. Wow. Et je paraphrase, elle serait la meilleure placée pour expliquer dans les détails, mais elle a vu un faisceau lumineux sortir de cette main. Et boum, la traversée. Et à ce moment-là, elle a su que c'était l'amour de Dieu pour elle. Et elle a donné sa vie à Jésus dans la nuit. C'est magnifique. Elle s'est réveillée le matin, transformée. Elle est partie, je crois qu'à ce moment-là, elle a fait trois rêves où elle a eu accès au ciel, elle a vu des choses dans le ciel. Et quand elle est venue, justement, elle m'a raconté, j'ai vu le ciel, j'ai vu le royaume de Dieu. Je suis moi, my God, qu'est-ce qui se passe? Le langage complètement différent. Moi, j'étais chrétien, je connaissais le langage chrétien. J'étais chrétien de titre, je savais c'était quoi le langage chrétien. Et tout d'un coup, elle arrive avec un langage chrétien. Je dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Et donc, voilà, à partir de ce moment-là, tous les deux, on est entrés dans un temps de jeûne. Et puis, on a commencé à prêcher l'évangile à la fac, partout où on allait, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, j'ai essayé d'être court. C'est super, en tout cas, d'entendre. Et ça me touche vraiment de voir comment est-ce que Dieu est venu vous rencontrer chacun de manière particulière là où vous avez besoin et dans la manière dont vous avez besoin. Et on croit que ce témoignage de Samuel Grondin, c'est quelque chose qui peut aussi prendre place dans ta vie si tu ne connais pas Christ. Et ce qui m'a parlé aussi dans ton témoignage, c'est comment est-ce que Dieu a parlé de manière tellement spécifique quand tu as amené ta copine à l'église. Et je crois vraiment que c'est quelque chose, j'aimerais peut-être t'entendre parler un peu là-dessus, sur comment est-ce que, en fait, il y a ce Dieu qui est tellement grand, tellement dans l'univers, mais qui connaît chacun
chacun de nous et chacune de nos situations et qui parle encore aujourd'hui. Est-ce que tu peux peut-être expliquer un peu comment est-ce que Dieu te parle, pourquoi est-ce que Dieu te parle et comment est-ce que en donnant notre vie à Christ, on a ce nouvel accès à avoir cette relation avec lui et que Dieu est un Dieu qui nous voit et qui veut interagir avec nous. C'est une très bonne question. En fait, c'est fou, mais pour moi, la base, c'est l'émerveillement. En fait, dès l'instant, comme un enfant, tu es touché par quelque chose. Un enfant, il est heureux, il est content, et puis tout d'un coup, il est émerveillé par tout ce qui se passe. La Bible dit que celui qui a le cœur pur voit toute chose pure. Et il y a une réalité, lorsque tu viens de donner ta vie à Jésus, en fait, le Seigneur te donne accès à une dimension d'émerveillement. Tu es émerveillé, tu veux comprendre. Quand tu lis la Bible, tu n'es pas en mode « je vais tester pour voir si c'est vrai ». Non, non, tu lis parce que tu as été touché et tu as envie de comprendre, tu as envie de découvrir ce Dieu-là. Et puis, en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est très simple, c'est que j'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à me dire « ok, écoute Seigneur, waouh, j'ai envie de te connaître, j'ai envie de découvrir ce que tu fais, ce que tu es. Je sens ta présence, j'ai des émotions en même temps, je sens des choses, c'est bizarre, j'aimerais comprendre tout ça ». Et puis il y avait le volet église où je voyais des hommes de Dieu, je voyais des familles, je voyais des couples forts, des familles fortes, et puis ça m'inspirait, j'avais envie de vivre la même chose qu'eux. Ben, bref, il y a tout ce monde-là qui s'ouvrait à moi. Et à ce moment-là, je commençais à me dire « ok, Seigneur, je veux comprendre qui tu es ». Et puis, je commençais à lire les évangiles. Je commençais à voir Jésus qui guérit, Jésus qui prêche. Je vois les gens qui sont touchés, des démons qui sont chassés. Et puis, je me dis, mais c'est ça que je veux vivre. C'est ça que, Seigneur, permets-moi d'expérimenter ce Jésus-là. Ce Jésus, je veux vivre ce Jésus-là. Et je me souviens d'un seul témoignage pour te montrer comment Dieu est tellement bon. J'étais dans ma cuisine, dans ce même studio d'ailleurs. Et j'ai un ami qui vient me voir, non chrétien, et lui, il est couvert de, comment on appelle ça, pas de lèpre, mais de blessures sur la peau depuis la naissance, qui se font un peu partout sur le corps, je ne sais plus comment ça s'appelle, et du coup, il vient, et puis il s'assoit dans mon canapé, c'était l'hiver à La Réunion, ok, l'hiver de La Réunion. Je l'attends connaître. L'hiver de La Réunion, bon, pour un Français ou un Canadien, il fait chaud. Mais pour nous, il fait froid. il avait une petite couverture sur lui. Il était assis dans le canapé. Et puis on discutait. Puis moi, j'étais en train de faire la vaisselle. Quelque chose de vraiment banal. Je fais la vaisselle. Et puis, il y a quelque chose qui vient dans mon cœur. Une pensée qui vient. Prie pour lui. Dis-lui que Jésus peut le guérir. Et puis, je sais que c'est... Je sais que c'est Dieu qui me le dit, qui me fait comprendre quelque chose, qui veut essayer de me parler. Et là, je fais, ok, j'essaye. Je me rappelle de ce moment-là comme si c'était hier. L'eau était en train de couler, je suis en train de faire la vaisselle. Et puis là, je le regarde, je dis, jusqu'à elle, écoute, je ne sais pas pourquoi, mais est-ce que tu veux être guéri? Et là, il me dit, ouais, il ne comprend pas trop. Là. Il me dit, ok, ouais, oui, pourquoi pas? Je dis, tu sais quoi, Jésus peut te guérir, mon ami. Et là, il y a comme, une onction, je pense que c'est ça, qui vient, et puis j'ai une conviction qu'il faut que je prie maintenant pour lui. Et là, je dis, maintenant, dans le nom de Jésus, sois guéri. Simplement. Puis je continue. Et puis là, le gars, en une seconde, il se lève du canapé d'un bond. Il enlève la couverture sur lui, il ouvre la fenêtre, puis il dit ça, mais j'ai chaud. Et puis moi, je vais le voir. Et puis, il transpire, mais genre trempé de la tête jusqu'aux pieds en une seconde. Wow. Et là, je fais, mais wow, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, il fait ça. Et quand il commence à faire ça, je vois qu'il y a des choses qui restent sur ses mains. C'est bizarre. Et en fait, toute sa maladie est en train de... Il pouvait l'enlever, littéralement. Wow. Et là, je me suis fait, ouh, what is going on, man? J'ai fait, non, il y a un truc qui se passe. C'est quoi ça? Et je me souviens, à ce moment-là, il y avait mon ami Nicolas, que j'ai amené aussi à Jésus, qui c'est un ami très proche. Et je lui dis, là, il a été touché aussi. Il y avait des problèmes, je crois que c'était, je ne sais plus c'était quoi son problème. Il avait un problème physique. Et là, lui, il habitait dans juste l'étage en dessous de moi, parce qu'on était à l'université, donc lui, il était en dessous. Et puis, je crois qu'à un moment donné, il entre et puis il voit ce qui se passe. Et puis, je lui dis, Nico, écoute, je crois que Dieu veut aussi te guérir à toi. Et puis, boum, la puissance de Dieu l'a touché, bam. Et c'est là, en fait,
En fait, pour répondre à ta question, quand tu parles de comment j'entends la voix de Dieu, comment je comprends la voix de Dieu, en fait, Jésus se manifeste à nous. Quand tu es ouvert, il agit, il bouge, par le Saint-Esprit, il devient réel. Et quand il devient réel, en fait, tu bouges avec lui. Je vais vous donner un exemple. Je vais donner un exemple qui s'est passé hier. Donc, Yes. non, je peux même vous donner un exemple qui s'est passé aujourd'hui. Mais non, je vais parler de celui d'aujourd'hui, ce matin, parce que nous, il est 14h ici, hein, 14h30. Okay, ce matin, bon, moi je travaille maintenant, je ne suis plus à 100% dans le ministère, à temps plein. Avant, j'étais missionnaire à temps plein. Maintenant, j'ai un travail à côté. Et donc, j'étais au boulot, en train de faire une relation d'affaires, en train de négocier avec un gros client. Et vous savez quoi? Un truc fou qui s'est passé. On était en train de négocier, puis à un moment donné, j'ai mon collègue, j'ai mon patron qui était avec moi. Donc, lui, il est en train de continuer. D'ailleurs, c'est un évangéliste en puissance aussi. Bref, donc lui, il continue à échanger avec le client. Et puis, il y a son un peu le. Pas un bras, pas un bras droit, mais c'est quelqu'un qui travaille pour lui depuis plus de 25 ans. Donc, quelqu'un de fidèle. Il nous présente ce gars-là comme étant vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Mais je vois qu'il boite. Je vois qu'il lutte avec son dos. Et puis, comme je vois que mon ami Joe, il est en train de s'occuper du client, je m'approche discrètement. Du gars là qui boite, et puis je lui ai dit, mais je vois que tu boites, tu as mal. Il me dit, oui, j'ai mal. Je fais, est-ce que tu crois en Jésus? Il me dit, oui, je suis chrétien. Les gens, bon, on peut pas déterminer le degré de profondeur dès la première fois, mais tu sens que voilà, il y a besoin d'avoir quelque chose qui se passe. Et là, je lui dis, tu sais quoi, je vais prier pour toi. Il me dit, ok. Je dis, je vais le faire discrètement pour pas faire trop de mélange. Il dit, ok. Donc là, je me mets à côté de lui et puis je pose une main sur son bras. Puis je dis, dans le nom de Jésus, sois guéri. Après, j'enlève ma main. Je continue à parler dans ma main. Écoute, le gars, il commence à marcher. Il me regarde, il sourit, mais il sourit, il n'arrête pas de sourire là. J'ai plus de douleur. Trop bien. Come on, man. Et donc, là, le gars, comme ils disent, comme on dit ici au Canada, il capote. Le gars est complètement. Il comprend pas ce qui se passe. Il comprend pas ce qui se passe. Et là, il commence à marcher, il teste. Et puis là, mon ami, tu sais, mon patron, il me regarde, il n'a pas réalisé sur le moment. C'est après, quand je lui ai expliqué, il m'a fait wow, that's it, man. Ça, c'est le ministère. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et puis, pourquoi je vous raconte ce témoignage-là, c'est. En fait, la vie avec Dieu, c'est pas juste tu entends une voix quand tu es assis dans ton fauteuil. C'est pas juste que tu. Oui, il y a ce temps d'intimité avec Dieu où tu dois développer une communion avec lui. Okay? Mais cette relation, elle ne se fait pas que sur le fauteuil. Je prends l'exemple, je te pose la question, attends, Gabriel, mais je sais pas si tu es marié, je pense que oui. Okay, tu es marié. Tu vas pas développer ta relation avec ton épouse uniquement. Quand vous êtes assis dans le canapé en train de parler l'un avec l'autre. Non, la relation, vous allez la développer en vivant votre vie ensemble, en faisant des choses ensemble, en planifiant des choses ensemble, en passant par des moments difficiles ensemble, bref, en vivant la vie ensemble. Et Dieu, c'est pareil. Nous, on s'attend à ce que Dieu fasse une pause pendant une heure quand on prie. Mais c'est faux, même. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il veut vivre sa vie, il veut la vivre avec nous. Et c'est là quand tu commences à comprendre ça, peu importe où tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe dans quel domaine tu es, si tu travailles dans le ministère à plein temps ou si tu es dans la société, peu importe. En fait, Dieu, il veut se manifester à toi continuellement. La prière, en fait, c'est pas juste un moment solennel que tu vis avec lui. Oui, c'est aussi ça. Mais la prière, c'est continuellement. Dieu ne veut pas juste d'une heure de ton temps. Il veut prendre ta vie. Il veut être avec toi tout le temps. C'est ça qui est fou. Et tu sais, je sais pas si je réponds à ta question ou si Non, j'extrapole, mais c'est parfait. ça, Ouais. c'est. En tout cas, c'est tellement encourageant de pouvoir entendre ben, ton histoire un peu, ce que tu vis avec Dieu. Et on aimerait, je vois que vous êtes nombreux à nous rejoindre. On aimerait encore vous souhaiter la bienvenue pour cette soirée Miracle et Guérison. Si vous ne savez pas qui vous parle, ça, il s'appelle Samuel Grondin. Il est au Canada et c'est un homme qui a expérimenté Dieu. Comme il a expliqué à l'université, maintenant, il a à cœur de suivre Dieu et de servir, peu importe le prix que ça coûte. Et j'espère qu'en tout cas, vous avez été
encouragé et touché par le témoignage et par ce que Samuel vit. Si tu es déjà chrétien, j'espère que ça t'a défié, que ça t'a poussé à vivre ça aussi dans ton quotidien. Mais peut-être que tu es là ce soir avec nous et tu dis, mais en fait, cette rencontre que lui a fait, Samuel, qui lui permet maintenant de vivre cette vie avec Christ, et en fait, moi, je l'ai pas faite. Et en fait, c'est simple. Samuel a eu cette rencontre avec Dieu, on va dire, de manière surnaturelle, mais c'était une décision, un choix qu'il a fait de dire, bah, Dieu, je te demande pardon et je décide de donner ma vie. Et on croit que ce soir, tu peux faire aussi ce choix-là. Tu peux te positionner, tu peux mettre sur tes genoux comme Samuel l'a fait et faire cette prière. Et Samuel, j'aimerais te demander si tu veux simplement pouvoir conduire ces personnes qui sont là avec nous ce soir, peut-être qui n'ont jamais fait ce choix de donner leur vie pleinement à Dieu, comme tu l'as dit. Pour toi, tu avais entendu parler de Dieu, peut-être certains n'ont jamais entendu parler de Dieu, mais si ce soir tu dis ce soir c'est mon soir, ce soir je crois que au travers de ce témoignage j'ai été encouragé, j'ai été visité, je veux vraiment donner ma vie à Christ et l'accepter. Samuel va prendre peut-être une ou deux minutes pour nous conduire dans un temps de prière et j'aimerais t'encourager à répéter ce que Samuel va dire et on croit vraiment que ça va être un... En anglais, ils disent « defining moment », un moment qui va définir et qui va transformer ta vie. Alors, on aimerait simplement, Samuel, t'inviter à conduire ce temps et si tu es là avec nous ce soir, à répondre à cet appel maintenant, mais aussi, on sait que vous êtes nombreux à voir le replay dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Tu peux aussi faire cette même chose, répéter cette prière, venir sur tes genoux et on croit que Dieu va te visiter au même moment. Est-ce que je peux juste quelques secondes avant d'aller dans cette prière, je veux juste partager un passage pour encourager ce que je ressens dans l'esprit qu'il faut que je le fasse. Dans dans Marc 2, au verset 3, en fait, Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Donc là, on parle d'un contrôleur des impôts. Il lui dit, suis-moi. Ok, c'est intéressant. Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de péagers et de pêcheurs avaient pris place avec lui et avec ses disciples. Car ils étaient nombreux et ils le suivaient. Pourquoi je lis ce passage ? La suite est intéressante. Je vais aller directement au verset 17. Excusez-moi, je vais lire le verset 17. Les scribes du parti des pharisiens, le voyant manger avec les péagers et les pêcheurs, dire à ses disciples, pourquoi mange-t-il avec les péagers et les pêcheurs ? Jésus, qui avait entendu, leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pêcheurs. Mes amis, c'est de ce Jésus-là que je parle. C'est de ce Jésus, cette réalité-là, je l'ai vécue. Je n'aurais jamais pu donner ma vie à Jésus si quelqu'un n'avait pas manifesté Jésus envers moi, d'une manière ou d'une autre. Il y a eu ce moment ultime où j'ai vécu cette rencontre avec lui. Mais ma vie a été parsemée de moments où j'ai vu des gens qui ont partagé Christ. Christ, écoutez, ce qui est vraiment intéressant dans ce passage, c'est qu'il était assis avec les pécheurs. Ça veut dire que sa présence ne les gênait pas. Ils pouvaient s'asseoir avec lui, ils avaient envie de manger avec lui, ils avaient envie de passer du temps avec lui. J'aimerais te dire aujourd'hui, toi qui m'écoutes, peu importe la vie que tu mènes, peu importe ce que tu as vécu dans ton passé, ce que tu as fait de mal, écoute, j'aimerais te dire, Jésus est venu pour toi. Il veut te toucher. Il comprend ce que tu vis. Et même à l'époque où quand il était venu en tant qu'homme, il nous a montré l'exemple à quel point il était accessible, à quel point il voulait passer du temps avec nous. Amen. Et la Bible dit que ces gars-là le suivaient. Les pêcheurs, les péagers, les contrôleurs, les gens qui sont vraiment pas aimés, là, le suivaient. On parle aussi de prostituées. Jésus était avec ceux que personne n'a envie de passer du temps avec. Donc, je ne sais pas dans quel cas tu te trouves aujourd'hui. Peut-être que tu me dis, Samuel, écoute, j'ai pas de problème, je suis chrétien, mais je suis chrétien de titre comme toi, tu as grandi dans l'église, mais je ne pense pas avoir eu une rencontre avec Dieu réellement. Et je sens pas ce feu en moi. J'ai l'impression qu'à l'église, on me force, on me dit, il faut que tu sois en feu, il faut que tu évangélises, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Mais j'ai pas la passion pour ça, je comprends pas. Tu sais quoi, j'aimerais te dire aujourd'hui, tu as juste besoin d'une rencontre avec Jésus.
Tu as juste besoin que ce Jésus que je te parle puisse te toucher et te rendre libre. Il y a autant pour toi, mon ami, que pour celui ou celle qui me dit qu'aujourd'hui, je ne connais pas Jésus. C'est la première fois que j'entends parler de l'évangile. Et j'aimerais aujourd'hui vivre ce moment-là. Et tu sais quoi? La Bible nous dit dans Romains, il dit que si tu crois dans ton cœur que Dieu, que Jésus a été ressuscité des morts, que si tu crois que son œuvre à la croix est réelle, qu'il n'est pas mort en vain à la croix, que son sang n'a pas coulé en vain, si tu crois que Jésus est mort pour tes péchés, comme pour moi dans mon témoignage, au moment où je l'ai vu, j'ai été convaincu que qu'il était la solution. C'est pas juste qu'il avait la solution, mais il était la solution. Dans son regard, dans ce qu'il était, j'étais convaincu que c'était lui ma justice, que c'était lui mon pardon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est passé au travers de moi. C'était une image forte. Ça, je comprends aujourd'hui ce que ça signifie. Ça signifie que c'est Jésus que tu as besoin. C'est pas juste de paroles, de belles paroles, plein de choses. Il faut que tu crois dans ce que Christ a accompli. Il faut que tu crois dans ça. Et si tu es dans ce cas-là aujourd'hui, tu me dis, écoute Samuel, je crois. Je sais pas, j'ai cette conviction dans mon cœur que ce que tu dis est vrai, que la parole que tu prononces est réelle. Ok, je veux croire en Jésus, je veux croire dans ce qu'il a accompli. J'aimerais te dire, la Bible nous dit que si tu crois dans ton cœur et si tu déclares de ta bouche qu'il est ressuscité des morts, que c'est lui le Fils de Dieu, alors tu seras sauvé. C'est fou. Mais c'est ce que la Bible te dit. Tu n'es pas sauvé par tes bonnes œuvres. Tu n'es pas sauvé parce que tu fais des exploits. Tu n'es pas sauvé parce que tu donnes de la nourriture aux gens. Non, tu es sauvé parce que tu décides de croire en Jésus. Les péagers, les pécheurs ont été sauvés parce qu'ils ont décidé de croire et de suivre Jésus. C'est tout ce que tu as besoin aujourd'hui, au moment où tu m'écoutes. Alors j'aimerais t'inviter à faire cette prière avec moi. Tu sais, peut-être que tu n'as pas les mots. Peut-être que tu ne sais pas quoi dire à Dieu. C'est pour cela que je vais te demander de répéter avec moi. Mais le but, c'est de t'aider avec des mots pour que tu puisses le répéter avec ton cœur. Le plus important, ce n'est pas de le répéter de manière mécanique, mais fais-le avec conviction. Amen. On va prier ensemble. Dis avec moi, dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crois. Je crois. Je crois. Que tu es ressuscité des morts. Que tu es ressuscité des morts. Que ton Père. Que ton Père. T'a ressuscité des morts. T'a ressuscité des morts. Je crois que tu es mort pour moi à la croix. Je crois que tu es mort pour moi à la croix. Et que au travers de ton sacrifice. Au travers de ton sacrifice. J'ai été pardonné. J'ai été pardonné. J'ai été justifié. J'ai été justifié. J'ai été lavé. J'ai été lavé. Alors Seigneur, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Viens habiter en moi. Que ta présence me touche, et me libère. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, amen. Et si vous avez fait cette prière du salut, si vous avez confessé Jésus de votre bouche, vous avez fait cette prière que Samuel a faite, eh ben, on vous invite juste à écrire dans le chat, je donne ma vie à Jésus. Oh yes, oh yes. Écrivez dans le chat, je donne ma vie à Jésus. C'est pas quelque chose qui doit être caché, c'est une bonne nouvelle. Et amen. Le ciel se réjouit, et on se réjouit avec le ciel pour vous et pour votre vie. C'est une magnifique nouvelle, on veut vraiment vous féliciter. Mais c'est pas tout, on a des ressources pour vous. Si jamais vous venez de donner votre vie à Jésus, eh bien, on vous invite à aller sur le site internet laguérison.org dans la rubrique « J'ai découvert Jésus ». Et là, vous allez recevoir différents emails dans les prochains jours qui vont vous aider dans la découverte de ce Jésus que vous venez d'accepter dans votre cœur. Mais on vous invite également à développer une relation avec Jésus. C'est pas juste on accepte une fois comme cela et puis basta. Il y a une relation à développer. Pour cela, on veut vraiment vous recommander de lire la Bible, soit peut-être une Bible papier comme cela, ou peut-être une application sur téléphone, mais on vous encourage juste à vous procurer une Bible afin de la lire, yes. De découvrir ce Dieu et ses fruits aussi qui vont prendre place dans votre vie alors que vous allez la méditer et plonger dans les profondeurs de cette Bible, de la parole de Dieu. Mais aussi cette communion qui se développe à la fois
par la Bible, mais aussi par la prière, cette communion que vous avez avec Dieu, avec Jésus, à lui parler, à le prier à chaque jour. On a vu Samuel l'a partagé. C'est pas juste un moment comme ça dans une journée, c'est une relation qui se développe à chaque jour. Alors, à chaque jour, prenez du temps dans sa parole, prenez du temps à lui parler, prenez du temps à l'écouter, et Jésus va encore plus se révéler à vous et va encore plus opérer cette œuvre transformatrice dans votre vie. Et vous avez aussi la possibilité d'accéder au parcours Alpha. C'est pareil, c'est un parcours qui va contribuer à votre vie. Il y a différents types de parcours qui vous sont proposés et qui vont s'adapter à votre situation. Et enfin, on vous invite à trouver une communauté locale à côté de chez vous, une communauté vivante qui va... Maintenant, vous appartenez à une grande famille, la famille de Dieu, l'Église. Yes. Trouvez une communauté à côté de chez vous afin que vous puissiez être aussi encouragé par des frères et sœurs dans la foi. Et il y a une vraie... Je crois qu'il y a vraiment une vraie richesse à appartenir à une église, à une communauté locale. Alors, n'hésitez pas à en trouver une à côté de chez vous. Et enfin, je termine avec deux annonces. Il y a une conférence internationale. Alors là, notez la date, ça va être le feu. Une conférence internationale de guérison, c'est Présence 2024. Ça se passe à l'Aurach du 9 au 11 mai. 9-11 mai, donc c'est à peu près la frontière entre la Suisse, l'Allemagne et la France. Ça va être une conférence internationale, il y a tout un tas d'orateurs. On va passer du temps vraiment dans la présence de Dieu, dans la louange, les temps de ministère. Ça va être le feu pendant ces quelques jours. Et un peu plus tôt, avant mai, c'est en avril, il y a une conférence aussi spéciale de réveil avec Bill Johnson à Paris. On vous invite pareil à noter ces dates. Et bien sûr, pour ces deux événements, il faut s'inscrire, il faut réserver parce que les places partent très vite. Alors, n'attendez pas. Mais pour cette conférence de réveil avec Bill Johnson, ça se passe du 12 au 13 avril. C'est à partir de 20h et c'est à Paris, la Courneuve. Alors, vous pouvez retrouver ces deux événements sur laguérison.org et n'attendez pas de vous inscrire parce que les places partent très vite. Yes, merci en tout cas Jonathan pour ces annonces. Je ne sais pas comment vous sentez derrière votre écran, mais en tout cas le message de Samuel m'a vraiment impacté et encouragé. On a vu aussi les différents commentaires, les différents sujets de prière que vous avez notés. Dans une dizaine de minutes, on va prendre un temps de ministère, un temps de prière ensemble. On croit que Dieu va venir se manifester avec puissance. Samuel a déjà partagé un ou deux témoignages de guérison, comment Dieu a manifesté sa puissance de manière particulière dans la vie de certains de ses amis et encore juste un peu plus tôt dans un collègue de travail. On croit vraiment que c'est ça pour vous ce soir. Et j'aimerais vous encourager aussi à donner et à soutenir l'IMG. Ce qu'on fait ce soir, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos dons, c'est grâce à des personnes comme vous qui pratiquent la générosité. Et pendant que je préparais ces temps, j'avais comme à cœur de partager trois ou quatre choses que j'ai à cœur par rapport au fait de donner. Je crois que la première chose, quand on fait un don, ça réjouit le cœur de Dieu. Pourquoi ? Parce que je crois que quand on donne, on décide de ne pas mettre notre confiance dans notre argent ou dans notre capacité à subvenir à nos propres besoins, mais on se rappelle qu'on est un enfant de Dieu et qu'on veut obéir à ses lois spirituelles. Et la loi spirituelle que Dieu nous dit, c'est que quand on donne, on reçoit et qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et je crois que cette loi spirituelle, c'est quelque chose qui est tellement important de comprendre et on aimerait vous la rappeler ce soir. Donner, c'est quelque chose qui nous transforme et qui nous change. Moi, je me rappelle, avant que je parte aux États-Unis, j'avais 25 ou 26 ans et j'ai jamais vécu par la foi. On entend des fois des gens comme ça qui vivent par la foi, qui voient Dieu se manifester de manière miraculeuse dans leurs finances. Et moi, j'étais chez mes parents, je travaillais, du coup, je pourvoyais à mes propres besoins. Et quand j'ai fait ce pas de foi, j'ai appris en fait à faire confiance à Dieu avec mes finances et je crois que ça m'a changé radicalement. Et c'est quelque chose qu'on aimerait vous encourager aussi, c'est qu'en donnant, on donne... la sécurité qu'on peut mettre dans nos finances, on dit, mais en fait, ce n'est pas dans nos finances qu'on veut les mettre, mais c'est en Christ et je crois que c'est quelque chose qui transforme nos vies. Donner, c'est aussi avoir accès à des bénédictions nouvelles. Pourquoi ? Parce que quand je sème dans un ministère, quand je sème dans la vie de quelqu'un d'autre, les fruits que cette personne va récolter de par le don, parce que le don va lui permettre de voyager, va lui permettre de prêcher la parole, et bien en fait, on a accès aux bénédictions
et aux réalités que cette personne vit au travers des finances. Et c'est quelque chose qu'on croit à l'IMG. On a un ministère où on prêche la parole, on voit des âmes se donner à Jésus, comme on l'a pu voir encore par dizaines dans les commentaires. Et on aimerait vous encourager à investir et à donner pour le royaume de Dieu. J'étais en train juste de lire ce verset qui dit « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. » Et même scientifiquement, ça a été prouvé. C'est ça que j'aime trop avec Dieu, c'est que des fois, on doit attendre 2000 ans pour voir scientifiquement que ce que Dieu a dit il y a 2000 ans, c'est vrai. Et on voit même que dans tout l'univers, on va dire des entrepreneurs et même des personnes non chrétiennes, elles appliquent cette loi spirituelle parce qu'elles savent qu'en donnant, il y a une joie qui est libérée sur leur vie. Et j'aimerais juste prendre quelques minutes à la suite de ces différents rappels et simplement pour qu'on puisse faire une prière en lien avec l'offrande que tu souhaites donner à l'IMG. Et j'aimerais simplement t'encourager à répéter cette prière de foi et simplement à demander à Dieu avant qu'on fasse cette prière, ben Dieu, où est-ce que j'en suis dans mes finances? Où est-ce que j'en suis dans ma générosité? Et comment est-ce que ce soir, je peux mettre ma générosité au service de ton royaume, au service de ce que tu fais au travers de l'IMG avec Jean-Luc Traxel et bien au-delà? Pendant que tu prends ces quelques secondes de silence, j'aimerais t'inviter peut-être à fermer tes yeux et à répéter cette prière avec moi. Au travers de cette offrande, je me rappelle que je suis un enfant de Dieu. Je choisis de te faire confiance avec mes finances. Je crois que tu es celui qui pourvoit et qui va pourvoir à tous tes besoins. Avec ce don, je décide d'investir dans ton royaume et je déclare que ces finances vont porter du fruit. Je déclare que ce don va amener des âmes à te connaître et aux malades de rencontrer celui qui te guérit. Voilà ce qu'on veut prier, ce qu'on veut déclarer sur vos dons. On va prendre un chant et on aimerait t'encourager à aller sur notre site internet laguérison.org pendant ce chant et à faire ce don. On dit que la louange, c'est quelque chose qui se fait avec notre bouche, c'est quelque chose qui se fait avec notre corps quand on chante, quand on danse. Yes. Mais la louange, c'est aussi un acte de générosité pour une œuvre qui sert Dieu. Et on croit que c'est quelque chose qui est tellement beau de pouvoir donner dans la joie. Parce que ce qui importe Dieu plus que le don, c'est le cœur et l'intention qui est derrière. Amen. Alors pendant ce temps de chant, j'aimerais t'encourager à mettre ta foi en action, à mettre ta générosité en action et à faire un don qui t'amène hors de ta zone de confort. Et on aimerait t'inviter à rester connecté parce qu'après ce chant, après ton don, on va prendre un temps de prière pour les malades et on croit avec la foi que Dieu nous donne qu'il va se manifester avec puissance. Amen. Réjouissons-nous et on se retrouve dans 5 minutes pour un temps de prière et on a aussi nos chambres de guérison qui sont toujours disponibles. Alors allons-y, louons le Seigneur, donnons et si tu souhaites la guérison, rejoins aussi nos chambres de prière.
tu ne changes pas, quand tu ne changes pas, quand tu ne changes pas. Tu attendais que mon cœur soit tout à toi. Non, tu ne changes pas. 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 T'en as failli l'amour.
est inébranlable, inébranlable, ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Yes, vous avez fait le bon choix d'être toujours connecté avec nous. J'espère que vous avez été bénis par Chant de Louange. Et maintenant, on va prendre un temps de prière. J'ai juste écrit à notre responsable de la ligne de prière qui nous a déjà partagé un petit témoignage de ce qui a été vécu. Il reste 3-4 chambres de libre. Donc, vous avez encore la chance de pouvoir obtenir la prière si vous vous connectez maintenant parce que dans 20 minutes, elles vont fermer après le live. Donc, si vous souhaitez avoir une prière, un rendez-vous avec deux de nos équipiers, vous pouvez le faire maintenant en scannant un QR code. On va prendre maintenant un temps de prière pour les malades et on croit que Dieu va se manifester. Et on aimerait donner la place à Jonathan de partager peut-être 2 ou 3 témoignages de ce qu'on a pu vivre en tant que IMG au travers de nos différentes rencontres, juste pour qu'on puisse être encouragé par ce que Dieu a fait. Et après, on va basculer dans un temps de prière. Oui, tout à fait, parce que Dieu agit, on le croit. Et on le voit également avec tous les témoignages qu'on a. Et l'un d'entre eux, notamment, c'est quelqu'un qui écrivait « Après avoir prié pour une personne qui avait son bassin désaxé, ce qui lui provoquait des douleurs dans le bas, dans le dos et dans les genoux, elle a obtenu une guérison totale et son bassin a été replacé. Une autre personne écrivait « J'avais des taches blanches aux yeux à cause d'une maladie. Elles ont totalement disparu lors d'une soirée miracle et guérison en ligne. C'est un miracle, merci Jésus. » Yes, trop bien. Moi, j'étais, je suis français, mais j'habite en Allemagne et il y a quelqu'un de mon église du coup, qui parle anglais, qui a rejoint notre ligne de prière sur Zoom et du coup, qui a demandé un rendez-vous. On a pu prier pour lui. Ça faisait déjà un an où il avait aussi une tache au milieu de l'œil qui gênait sa vision. Et après, il avait peur de... J'ai dit, mais est-ce qu'il allait voir le médecin pour savoir ce que c'était? Il dit, non, j'avais peur de savoir ce que ça allait être. Du coup, il n'a pas voulu aller chez le docteur. Il m'a dit, il a reçu la prière. Et après ce moment de prière, il y avait toujours cette tâche. Il s'est endormi, c'était le soir. Et le lendemain matin, il s'est réveillé sans aucune, sans aucune tâche. C'était un mercredi, un jeudi. Et le dimanche, du coup, je le vois à l'église. Et il me dit, tu sais pas ce qui s'est passé. J'ai rejoint la ligne de prière de l'IMG. J'ai reçu la prière pour mon œil. Et cette tâche, c'est complètement disparu. Maintenant, je vois parfaitement. Donc, on croit que Dieu agit, que Dieu va se manifester ce soir. Et Samuel, j'avais juste une question très rapide à te poser avant qu'on puisse rentrer dans ce temps de prière. Tu as partagé ce témoignage de ta femme qui, pendant des années, était comme tourmentée, avait ce moment de... était fatiguée, épuisée émotionnellement parce que le diable l'attaquait. Et j'imagine qu'il y avait peut-être du découragement dans sa vie après toutes ces années de voir que rien changeait. Ouais. Je sais que des fois, c'est quelque chose qui est là où les personnes nous écrivent en disant « Tiens, ça fait des années que j'ai telle maladie. » Et des fois, il y a peut-être un désespoir qui vient. Et j'aimerais te poser cette question. Pour toi, quelle est la clé pour que le désespoir puisse quitter la vie et qu'une foi nouvelle puisse être répandue dans nos cœurs pour que la guérison puisse se manifester? Un peu en lien avec ce que toi, tu as vécu, ce que ta femme a vécu. Je ne sais pas si tu peux peut-être nous partager quelque chose en lien avec la guérison par rapport à ça. Moi, je pense que s'il y a beaucoup de réponses, il y a plusieurs réponses, je pense, qu'on peut donner à ce genre de questions, mais celle qui me vient à l'esprit, je pense que ce qui fait toute la différence, ce n'est pas la prière. La prière ne change rien. Ce qui change, c'est Jésus. Amen. Le fait de se mettre à prier, c'est important. Mais c'est à qui tu t'adresses qui est le plus important. Amen. Tu vois. Donc, dans ce cadre-là, il faut qu'on réalise qui est Jésus. Ma vraie question, le vrai encouragement que je voudrais donner à ceux et celles qui sont dans le désespoir, c'est simplement, apprends à découvrir une nouvelle facette de Jésus. Nous, on a vécu des choses plus ou moins difficiles. Il y a des moments difficiles, des moments moins difficiles. On est passé par plusieurs caps. Mais à chaque fois, ce qui nous a fait tenir bon, et bien plus que ça, c'est de réaliser et de continuer à croire qu'il est celui qui... Jésus est celui qui est celui qui fait des miracles. Il est celui qui pourvoit. Il est celui qui restaure. Il est celui qui délivre. Il est celui qui répond à nos prières. En fait,
qui est le Jésus que tu pries? À qui tu t'adresses? Est-ce que tu as cette révélation de qui il est? C'est ça la clé. En fait, souvent le désespoir vient quand on cesse d'avoir l'espoir. Et tu as, mais c'est vrai, c'est quand tu cesses d'avoir de l'espoir dans la personne que Dieu est. Ça signifie que tu n'as plus cette personne en face de les yeux. Tes yeux ne sont plus fixés sur lui. Et en fait, l'encouragement que j'aimerais te donner, c'est de revenir à Christ. Revenir à lui. Prends la parole de Dieu concrètement. Commence à étudier ce que Jésus fait, ce que Jésus est. Et écoute des messages sur le sujet. Et accroche-toi à Jésus. Mets-toi à croire réellement en Jésus et à concrètement faire des actions. Nous, c'est ce qui nous a aidés, c'est de faire des actions. On croyait oui, mais on a fait des actions. Et c'est ce qui a fait que ça a déclenché le miraculeux. Ça a déclenché le miraculeux dans plusieurs étapes de nos vies. On n'y croyait plus, par exemple, de pouvoir venir au Canada. On n'y croyait plus. C'était presque devenu impossible. Mais du jour au lendemain, après que la puissance de Dieu m'ait touché, j'ai décidé à nouveau de croire dans le fait que Jésus était capable de pourvoir pour que nous puissions aller au Canada. Et vous savez quoi? Le jour même, la percée est arrivée. Amen. Alors que ça faisait plus d'un an et demi qu'on attendait, la percée est arrivée à l'instant où on a choisi de croire à nouveau dans le Jésus qui pourvoit. Amen. Wow. Qui est le Jésus que à qui tu t'adresses? C'est ça la vraie question. Amen. En tout cas, Samuel, merci pour ce appel puissant et cette percée. On croit que cette percée que Samuel a évoquée, elle va prendre place dans ta vie ce soir. Alors, Saint-Esprit, on veut t'accueillir. Jésus, on veut t'accueillir pendant ces temps. On croit que, comme Samuel nous l'a rappelé, on veut se rappeler de qui tu es. On veut se rappeler maintenant tous ensemble. J'aimerais t'encourager, toi qui nous regardes, qui fait partie de ce live, de mettre ta foi en action, de te rappeler de qui on nomme, de qui on prie. Quel est le nom qui est au-dessus de tout nom? C'est le nom de Jésus. Quel est le nom qui est au-dessus de toute autorité ou toute maladie? C'est le nom de Jésus. Quel est le nom de la personne qui a donné sa vie pour nous sauver et plus que ça, pour aussi nous guérir dans nos corps et dans nos âmes et dans nos esprits? C'est le nom de Jésus. Et on veut déclarer le nom de Jésus sur ce temps de prière. On veut déclarer le nom de Jésus sur ta vie. Et là où tu es, je t'invite à peut-être à fermer tes yeux, comme à imaginer cette croix où Jésus a été crucifié pour toi, pour ton salut et pour ta guérison. Et je te prie simplement, je t'invite aussi maintenant à mettre des mots dans ta bouche en disant, Jésus, je veux te voir et je veux croire que tu es celui qui guérit, que tu es celui qui pourvoit dans mes situations. Et j'invite ta guérison à prendre place maintenant dans mon corps. Saint-Esprit, on t'accueille, aussi pour que tu puisses venir toucher les vies des personnes qui sont là. Tu vois, toutes ces centaines de personnes qui sont live avec nous, ces sujets de prière qui sont là, on veut te demander de venir et de les toucher, les visiter. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Tu sais, cette femme-là qui avait la perte de sang a cessé de voir ses limitations. Amen. Elle a cessé de voir l'impossibilité de sa situation. Il y avait une foule qui suivait Jésus. Et à l'époque, une femme à la perte de sang était excommuniée. Elle n'avait pas le droit d'être avec d'autres êtres humains, entre guillemets. Et elle a bravé toutes ses limitations parce que ses yeux avaient vu Jésus. Amen. Ses yeux n'étaient pas fixés sur ses limitations. Ses yeux n'étaient pas fixés sur sa maladie. Ses yeux étaient fixés sur Jésus. Il fallait qu'elle touche le bord de son vêtement. Il fallait qu'elle le touche d'une manière ou d'une autre. Alors elle a rampé. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Elle a traversé la foule d'incertitudes, la foule d'incompréhension, la foule d'impossibilités. Et elle a toucher le vêtement de Jésus. Et sans même que Jésus décide, une puissance est sortie de lui et l'a totalement guéri. Je crois aujourd'hui que Dieu veut toucher quelqu'un. Maintenant, là où tu es, si tes regards sont... Retire tes regards de ta maladie, retire tes regards de tes problèmes et fixe tes yeux sur Jésus. Il est celui qui guérit, il est celui qui restaure, il est Dieu lui-même. Sa puissance n'a pas de limite. Le Saint-Esprit veut se manifester maintenant pour toi. Alors, Père, je prie que ta puissance se manifeste maintenant, ce soir
en France, cet après-midi au Canada, pour ceux qui suivent du Canada. Père, au nom de Jésus, Saint-Esprit remplit maintenant ceux et celles qui sont là en attente et qui ont un besoin. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu te révèles à eux dans leur maison. Seigneur, j'ai la foi pour bien plus qu'une guérison, Père. J'ai la foi pour bien plus qu'une des frissons. Je prie que ta présence se manifeste maintenant dans leur maison. Je prie que ta puissance, que ta présence se manifeste dans leur famille, le foyer, leur couple. Au nom de Jésus, que le feu de ton Saint-Esprit se manifeste dans leur maison, Père, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Wow. Yes. Come on. Présence Jésus, que ta présence comme flamme se manifeste maintenant dans la vie de chaque personne qui nous écoute et que ta puissance de guérison soit relâchée maintenant dans les corps. Je vois cette personne qui crie qu'elle a une boule de graisse au niveau de l'épaule droite, et une douleur à cette épaule, et on commande maintenant à cette boule de disparaître, qu'elle fonde maintenant. Comment ? Jésus, cette boule de graisse disparaisse maintenant et que une guérison soit accordée à cette épaule, que toute douleur cesse maintenant. Et on vous invite simplement, si vous commencez à ressentir des choses, à nous écrire dans les commentaires, à tester des choses que peut-être vous ne pouvez pas faire. Juste écrivez, commentez l'action du Saint-Esprit dans vos corps. Amen. Seigneur, je prie maintenant pour cette personne qui veut qu'on prie pour Michel, qui a un cancer très grave. Je prie pour Marguerite maintenant, qui a la foi pour son fils. Seigneur Jésus, tu es celui qui guérit. Et à combien de fois nous t'avons vu intervenir de manière surnaturelle pour des gens qui avaient des cancers et qui ont été guéris. Alors je prie au nom de Jésus, je commande et j'ordonne à ce cancer de quitter le corps de Michel au nom de Jésus, que ta puissance se manifeste et que ce témoignage soit grand, que ce témoignage puisse donner la gloire à Dieu et que d'autres personnes puissent être touchées dans la famille de Marguerite. Au nom de Jésus, Père, merci pour ta main sur Michel et aussi sur Marguerite et sa famille, au nom de Jésus. Amen. Je prie aussi pour toutes les personnes qui sont affectés par des surdités ou des problèmes aux oreilles. Dans ces cas-là, on vous invite à mettre vos mains sur l'oreille sur laquelle vous avez ce problème. C'est sur vos deux oreilles. Mettez vos mains sur vos deux oreilles. Et maintenant, ensemble, dans l'unité, on aimerait vous encourager à participer avec nous, à participer dans la prière, à réclamer la prière aussi pour les personnes de votre entourage. Vous pouvez aussi lire le chat, les mentionner, prier pour eux. On veut déclarer que ces oreilles s'ouvrent au nom de Jésus. Que ces oreilles naturelles s'ouvrent au nom de Jésus. Que toute douleur, que tout bruit qui perturbe l'entendement soit enlevé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je crois aussi, il y a ces mensonges qui, quand Samuel parlait de que on entend, moi, je n'entends pas la voix de Dieu. Et on veut déclarer que les oreilles spirituelles qui vous permettent d'entendre la voix de Dieu pour qu'il puisse vous parler, communiquer avec vous, on veut déclarer aussi que ces oreilles spirituelles s'ouvrent, que ce soit dans le naturel que dans le spirituel. On veut déclarer une nouvelle sensibilité dans l'ouïe spirituelle et aussi dans l'ouïe naturelle. On veut aussi déclarer par rapport au témoignage de la femme de Samuel Grondin, qui a été tourmenté dans ses rêves, avec des peurs, des angoisses aussi, des automutilations. Pour toutes ces personnes qui nous regardent ce soir et qui attendent cette percée spirituelle, comme la femme de Samuel l'avait, qui on veut déclarer ce témoignage sur votre vie. Et que ce soir, cette nuit va être la nuit où la puissance de Dieu va se manifester, où les cauchemars vont se transformer en rêves, où l'angoisse va se transformer en une paix surnaturelle, où la peur de la nuit va se transformer dans une joie, parce que vous savez que le repos va être là et va vous attendre dans la nuit. On refuse que le diable ait accès dans vos rêves, accès dans vos pensées. Et on veut déclarer le sang de Jésus sur vos vies. On va célébrer la Pâque, la mort et la résurrection. On veut déclarer la résurrection de Christ dans vos vies nocturnes. Et que tout tourment, tout esprit qui vient perturber vos nuits, on prend autorité. On leur dit, vous n'avez aucun droit sur ces vies. Et on veut déclarer une paix surnaturelle dans les nuits au nom de Jésus. Amen. Sandra Faveur, je prie maintenant et je crois que Dieu va opérer une délivrance pour ton fils Matisse. Je crois vraiment, il y a quelque chose qui se passe pour lui maintenant. Merci Saint-Esprit, tu délies sa langue maintenant. Je prie que tu lui redonnes le langage. Je ne sais pas exactement son besoin, mais je te remercie Jésus parce que le miracle est sien maintenant. Merci Saint-Esprit pour Romain, pour ses oreilles.
pour la surdité, pour les acouphènes. Au nom de Jésus, je commande à ses oreilles de fonctionner maintenant, au nom de Jésus. D'ailleurs, pour Kim, qui a des acouphènes aussi, dans le nom de Jésus, sois guéri maintenant. Au moment où je prie, je déclare la guérison totale. Merci de témoigner, les amis. Je crois que Dieu va faire quelque chose de puissant ce soir. Je prie aussi pour Connie, pour sa fille de 17 ans, qui a des problèmes avec ses ovaires. Oh, que j'aurai jamais d'enfant car ses ovaires sont incomplets. Père, je prie au nom de Jésus pour elle, que tu recrées ce qui doit être recréé, Jésus. Seigneur, tu n'es pas limité par un manque, un besoin, une destruction, une mort. Tu es le Dieu de la résurrection. Alors maintenant, je libère la guérison qu'elle a besoin au nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. On va aussi déclarer le. J'avais à cœur de déclarer aussi ton témoignage, Samuel. J'imagine que tes parents ont prié pour toi, ont prié pour le salut de leur enfant. Et je vois que vous êtes beaucoup à être là et à croire dans le salut d'un des membres de votre famille. Et je crois que ce que Dieu a fait dans la vie de Samuel, il va le faire aussi dans votre vie, dans la vie de vos enfants. Et j'aimerais vous inviter maintenant, si vous êtes dans ce cas-là, à déclarer le nom de votre fils et vous dire ce fils, cette fille va servir l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et que ce que Dieu a fait dans la vie de Samuel, c'est accessible, c'est disponible et ça va aussi prendre place maintenant dans votre vie. On veut amener et déclarer, Seigneur, que vos enfants vont rencontrer Christ. On veut déclarer sur vos fils, vos filles, peut-être vos maris, vos cousins, vos cousines, les membres de votre famille, que vous allez être une famille qui va servir Dieu. Et que ce que Dieu a fait dans la vie de Samuel, il va le faire maintenant de nouveau dans votre vie. Comme Jonathan l'a dit, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver et que le salut vient dans votre famille pour ce week-end de Pâques, que ce soit un week-end où vous allez pouvoir être en famille, témoigner et que vous allez voir ce week-end-là les fruits de ces prières, de ces années de prières qu'elles vont être comme récompensées par le salut de ces personnes qui sont là sur votre cœur au nom de Jésus. Alléluia. Prions aussi pour tous les muscles et les organes qui sont atteints, qui sont dysfonctionnels peut-être. Il y a des douleurs particulières et on appelle la guérison, on appelle les organes nouveaux, soient libérés, on ramène les provisions du ciel dans vos corps au nom de Jésus. Et des organes neufs, on déclare sur votre vie que les souffrances, que les douleurs disparaissent maintenant au nom de Jésus-Christ. Yes. Alléluia. Je prie, Père, pour Normande maintenant, au nom de Jésus. Je prie pour ce que pour l'esprit de peur qui peut-être la touche depuis plusieurs mois. Au nom de Jésus, sois libre maintenant. J'ordonne à l'esprit de peur, de mort, de fatigue, de quitter maintenant ta vie, ton atmosphère, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour Sylvie également, pour ses problèmes de tête chronique, au nom de Jésus, sois guéri maintenant. La main de Dieu est surtout à Sylvie. Je prie, Père, que tu viennes surprendre Sylvie et sa famille, au nom de Jésus. Vous êtes nombreux à écrire que il y a certains vous avez des problèmes de dos, des problèmes d'articulation. J'aimerais prendre un temps de prière pour ça particulièrement. Et je crois que comme Samuel l'a dit dans son témoignage juste avant, ils sont mis en action et la percée a pris place. Alors j'aimerais t'inviter d'être là où tu es. Quand on commence à prier pour ça, particulièrement si tu as mal au dos, simplement à faire peut-être juste des mouvements et mettre ta foi en action. Si c'est ton épaule des fois qui se bloque ou qui est douloureux, simplement à faire juste des petits mouvements quand on est en train de prier pour toi. Si c'est tes doigts, tes genoux, peu importe, mets-toi en action et ensemble, au nom de Jésus, on veut déclarer que c'est comme ce pas de foi que tu fais, cette action dans ton corps physique. On veut déclarer qu'il est honoré par le ciel et que la guérison physique prenne place maintenant dans ton dos, dans tes articulations. S'il y a des cartilages qui doivent être récréés, on veut déclarer un miracle qui recrée ce cartilage. Si c'est des os qui doivent être réajustés, on veut déclarer un réajustement surnaturel dans vos dos, dans vos articulations, au nom de Jésus. Si c'est aussi l'arthrose ou toutes ces maladies qui arrivent, on veut déclarer une guérison pleine et entière maintenant. Et pendant que vous êtes en train de mettre votre foi en action, j'aimerais vous inviter à témoigner de ce que vous êtes en train de vivre. Témoigner de ce que vous êtes en train de vivre dans les commentaires. C'est quelque chose qui est tellement encourageant de voir que la puissance de Dieu est en train de se manifester dans vos vies. J'aimerais juste parler à quelqu'un, une famille, un père ou une mère de famille qui vous vivez dans votre famille maintenant. Vos enfants sont agités.
très agité. Il y a comme vraiment beaucoup, beaucoup d'agitation, beaucoup de violence, de paroles, vos enfants tombent souvent et ils se font mal. Il y a comme quelque chose qui, comme un fardeau, un poids. Je prie maintenant parce que je vois que le Saint-Esprit, par sa puissante présence, vient saturer votre maison maintenant. Je vous demanderai juste, si c'est votre cas, juste de lever les mains là où vous êtes et juste de laisser la présence de Dieu venir vous délivrer maintenant. Et présentez vos enfants. S'ils sont en train de dormir, il n'y a pas de problème, mais dites leur prénom maintenant. Je crois que le Saint-Esprit va toucher leur vie. Il va les guérir, il va agir dans leur corps. Il y a comme je vois des anges qui prennent place autour de vos maisons. Il y a comme une paix qui s'installe dans vos maisons. Au nom de Jésus, que tout esprit qui amène la discorde, les disputes, l'agitation maintenant, au nom de Jésus, quitte vos maisons maintenant. Et je déclare que la paix de Dieu remplit vos maisons maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit parce que tu es là avec nous ce soir. Merci parce que tu n'es pas limité dans le temps. Et on veut te remettre, Seigneur, juste chacun des sujets. On n'a peut-être pas pu tous les nommer, tous ces commentaires. Mais comme on l'a entendu ce soir, tu connais chacune de nos vies, tu connais chacune de nos situations. Et on veut déclarer la puissance. La puissance, comme Samuel nous l'a rappelé. Rappelons-nous à qui on prie, à qui les prières sont adressées. C'est au nom de Jésus que nous prions. Au nom de Jésus, celui qui a livré toutes les autorités, les principautés en spectacle, celui qui a donné sa vie pour le Comment? salut de nos âmes, ce qui est le plus important, mais aussi pour la guérison de nos corps. Et on veut déclarer ce nom de Jésus sur ta vie, que tu puisses recevoir la puissance de son nom dans ton corps, dans ta Yes. famille, dans tes finances, dans toutes les choses qui peuvent être comme un fardeau sur ton cœur. On t'invite à déposer ça à la croix et à prendre cet échange qui te donne une vie nouvelle, une guérison nouvelle, une provision nouvelle pour ta situation, une percée spirituelle, une percée dans ton travail, une percée dans ta vie de famille, une percée dans tes désirs qui viennent de lui au nom de Jésus. On veut déclarer sur chacune de nos per des personnes qui sont en live ce soir, sur ceux qui vont regarder le replay dans les prochaines heures, une soirée du miraculeux, une soirée miracle et guérison au nom de Jésus. Amen. On te prie, on te remercie pour cette soirée qu'on a pu Amen. passer ensemble. Alléluia. Merci pour ces vies qui sont transformées. On t'encourage à écrire dans les commentaires parce qu'ensemble, on veut se réjouir de ce que Dieu a fait. On veut se réjouir de ce que Dieu a fait ce soir dans ta vie et au travers de ta vie. Et j'ai juste un message avant qu'on puisse conclure cette soirée. J'aimerais te dire que ce que Samuel vit, c'est quelque chose qui est accessible pour toi. Yes. Et je crois qu'il y a comme, pendant que Samuel prêchait, je crois qu'il y en a beaucoup qui ont eu comme un dépôt d'un fardeau de gagner des âmes pour Christ, un fardeau d'être utilisé d'une manière nouvelle. Et je parle aussi pour moi-même d'être utilisé d'une manière nouvelle et qu'on puisse être les outils nous d'une nouvelle manière de la puissance de Dieu Yes. dans nos travails. Comme Samuel a peut-être été dans temps plein dans le ministère à servir Dieu, maintenant il a changé entre guillemets de voie, mais en fait son appel reste le même, c'est Yes. d'amener des vies à connaître Christ. Et je sais que beaucoup d'entre vous, comme moi, on a temps plein dans des entreprises, dans des écoles, dans des hôpitaux, dans la police, peu importe. Dieu veut t'utiliser là où tu es pour amener des âmes à le rencontrer et pour que sa puissance de Dieu se manifeste. Alors on croit vraiment que cette soirée miracle et guérison, et on espère qu'elle a été impactante pour toi dans ton corps et que la guérison a pris place, on le croit. Mais on veut Yes. aussi déclarer sur ta vie qu'il y a un fardeau et un feu et un zèle nouveau pour les âmes, pour la guérison qui est en train de se déverser. J'aimerais t'inviter à comme le saisir par la foi et de dire oui, je réponds à cet appel. Peut-être que Samuel n'a pas fait un appel à être un évangéliste parce qu'on est tous appelés à évangéliser, mais je crois qu'il y a vraiment une Yeah. onction particulière qui a été libérée ce soir. On aimerait Yes. t'inviter à la saisir et ensemble, on est le corps de Christ et on veut voir la vie de Dieu se manifester. En tout cas, Amen. aussi, si tu étais là pour la première fois que tu as donné ta vie à Jésus, je crois que vous étiez environ une vingtaine à avoir mis dans les commentaires, j'ai donné ma vie à Jésus, on aimerait vous dire Wow. bienvenue dans la famille. Bienvenue dans la famille de Dieu. Et toujours, j'aime dire ça, tu as donné ta vie à Jésus et si tu sais qu'il y a quelqu'un de ta famille, un collègue de travail qui connaît le même Jésus que celui qu'on prêche ce soir, ce Jésus qui sauve, ce Jésus qui t'aime, ce Jésus Yes. qui a donné sa vie pour toi, va le voir et lui dire, j'étais à cette soirée miracle et guérison, j'ai donné ma vie à Jésus, aide-moi.
Parle-moi de ton Jésus et je suis sûr qu'ensemble, il va pouvoir t'accompagner et t'aider dans cette nouvelle marche avec, avec Christ. Les acouphènes de Jean-Paul partent. Super, merci Céline. Oh cas, yeah, comment dans les commentaires. Samuel, reste quelques minutes avec nous pour lire ça. On aimerait vous inviter à nous rejoindre. Je crois que Samuel, en avril, on a un bon ami à toi, Jérémy Potin, qui nous rejoint le 25 avril pour une soirée miracle et guérison. Excellent. Bloquez cette dette-là déjà dans vos agendas. Invitez vos amis, des amis à vous qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. L'IMG est un ministère qui se développe énormément. Il y a tellement de choses qu'on aimerait pouvoir partager avec vous. Mais sinon, le plus simple, c'est d'aller sur notre site internet. Vous allez sur notre site internet, vous retrouvez nos formations. Vous pouvez demander la prière dans notre ligne de prière. Vous pouvez suivre notre réseau des ministères de guérison qu'on est en train de mettre en place pour vous équiper, vous établir à grandir là-dedans. Vous pouvez voir les différents événements qu'on a. Vous pouvez rejoindre des comités locaux dans les différentes villes de personnes qui se lèvent pour prêcher la ville. La parole à Strasbourg, on a un comité qui est en train de s'ouvrir. On en a à Belfort, à Montbéliard. Bref, on en a un peu partout. Donc, allez sur notre site internet. Vous allez retrouver aussi comment partager vos témoignages. Bref, en tout cas, on apprécie passer du temps avec vous. Encore un grand merci pour vos soutiens mensuels, un grand merci pour votre investissement au sein de cette œuvre, de ce qu'on fait. Samuel, un grand merci aussi à toi qui a pris ton plaisir de passer cette soirée avec nous. En tout cas, on veut aussi te bénir, te remercier, bénir ta famille et merci. Tous les projets qui sont là aussi sur ta vie. Tu es vraiment un exemple de foi, un exemple de zèle et c'est vraiment une joie pour nous que tu fasses partie merci de beaucoup. Grande famille de l'IMG. Tu interviens dans nos écoles aussi. En tout cas, c'est toujours une joie de voir ce que tu apportes au sein de notre association. Donc encore un grand merci. Jonathan, on peut le féliciter, c'était sa première fois en tant que MC sur les soirées miracles et guérisons. Donc merci. Félicitations aussi dans les commentaires pour ce qu'il merci a beaucoup. Pour cette soirée. Et puis on se retrouve le 28 avril avec Jérémy Potin. Et si vous voulez avoir plus d'infos sur présence, sur notre événement à Paris en avril avec Bill Johnson, allez sur notre site internet. En tout cas, on vous bénit, on vous envoie pour ce week-end de Pâques avec, on espère, un zèle et une passion nouvelle pour les âmes, pour la guérison et que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à tous pour les Européens et pour vous qui êtes aux quatre coins du monde, on vous bénit aussi pour votre journée. À tout bientôt. Bonne soirée à tous. À bientôt.